Bonjour à tous et bienvenue sur Gym Direct. Je suis Mohamed, très heureux de vous accueillir pour cette session. Vous savez qui s'appelle maintenant Objectif Ventre Plat. Je le rappelle, avec une session comme ça, vous n'allez pas avoir le ventre plat. Ce n'est pas seulement les abdos qui vous servent, c'est votre alimentation à côté. Donc là, vous faites un tiers du travail. L'autre tiers, enfin les deux autres tiers, c'est vous qui le faites. C'est vous qui avez le bébé, les gars, d'accord? Vous faites votre travail, je fais le mien. On y va pour un petit cours gentil? C'est parti. Allez, venez, allongez-vous avec nous. On va commencer tout doux. Et ça sera toujours tout doux, mais ressentez bien vos abdominaux et surtout à l'intérieur, travaillez. Mettez les bras tendus en l'air pour aller vers les chevilles. Une, deux, et je reviens à la verticale. Souffle et reviens gentiment. Expire. Et tout ce travail que vous faites d'expiration sert essentiellement à contracter vos abdominaux et à travailler de l'intérieur. Encore, expire. Même chose. Une petite dernière fois. Très bien, restez en l'air, la jambe droite, seulement elle se tend. Tout doux, elle reste ici. Elle bouge plus. Elle revient, l'autre pareil. Tout doux. Elle revient. Posez la tête et on recommence en l'air. Une, deux. Expirez sur la montée, inspirez sur la descente. Le mouvement un peu plus rapide. 1-1. Une, ramène. Deux fois. Très bien. La tête, les bras par terre, la jambe droite. 2-2. Elle revient gentille. L'autre. Une. Je contracte ma fesse et je reviens. L'autre. Très bien, le mouvement vous l'avez, maintenant vous l'accélérez un peu. Un, ramène. Le plus immobile possible avec le reste du corps. Contractez bien le haut. Contractez bien le bas. Ok, gentil les deux jambes, gentil. Une, stop, et elles reviennent. Une, stop, et elles reviennent. Encore une fois. Le haut du corps se lève et reste en haut. Mais les jambes continuent à travailler. Souffle, talon, ramène. Bien, laissez les bras, levez et petit, petit. Ressentez le travail un peu plus maintenant. Les dernières. Vite pour finir celui-ci. Parfait. Lâchez tout, réconfortez. Lâchez les bras. Lâchez les jambes, faites-les trembler un petit peu, vous savez. Décontractez l'arrière des cuisses, les mollets. Bien. Croisez une jambe sur l'autre. La droite, on va dire, sur la gauche. Le bras gauche, donc, va se lever en diagonale vers le genou tibia. Et je reviens loin derrière avec le pouce. Je veux que vous fassiez un grand mouvement comme Fatih. Et on revient. Allez. Une. Et on repart. Une. Et on repart. Maintenant, je le veux plus rapide. Hop. Souffle. L'autre main, si vous voulez, elle peut supporter la tête si ça tire trop sur la nuque. Sept fois. On va revenir sur les petits crunchs, comme juste avant avec les coudes. Une dernière. Levez les genoux. Allez, petit, on y va. Une petite. Bien. Quatre belles. Vous allez croiser. Relâchez. Croisez la jambe. Prenez votre temps. Mettez la main sur le côté. Et montez deux fois doucement. Monte. Reviens. Encore une fois. Monte. Et là, vous savez qu'il faut y aller. Hop.
souffle. On expire un peu plus et on monte un peu plus. Bien. Les dernières et mes petits crunchs comme tout à l'heure pour terminer la séquence. Quatre fois. Parfait. La tête par terre, les bras écartés, la jambe fait. Doucement sur le côté, sans toucher le sol. Et elle revient doucement. Utilisez vos obliques. L'autre côté, gentil, apprenez le mouvement. Doudou. Voilà, sans décoller les épaules. On essaye un peu plus vite en deux. Et une, deux. Et l'autre tout de suite. Hop, hop. Je laisse tomber sans toucher le sol pour les genoux. Très bien, sur ma descente, la jambe du dessus se tend. Une, tend, et elle revient. Côté, dessus, et elle revient. Bien. Est-ce qu'on essaye le challenge? Les deux en même temps, elles se tendent. Et hop, 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 hop. Verrouillez le regard au plafond. Une, deux. Encore une. On termine la séquence par les petits crunchs. Elles reviennent. Vous allez profiter d'élan ensuite pour venir vous asseoir. Huit belles. On ne fait pas la dernière, on se lèvera. 3, 2, venez. Allez, en face. Sur les mains, marquez votre planche. Tenez et restez. Ressentez les abdos que vous venez de travailler. Ouais, très bien. Alors, regardez mes pieds, c'est simple. Levez la tête. Je croise ici et je me laisse tourner. On reste. Tiens, stable sur une jambe. Revenez en face. Restez. Restez, restez. Marquez votre planche encore. Parfait. L'autre jambe qui glisse à l'intérieur. Hop. Sur un bras. Au plus haut le bras. Revenez, marquez votre planche. Très bien. Vous tenez. Stable, statique. Statique encore. 5 secondes avant de se mettre sur le dos. Très bien, relâchez. Revenez sur le dos, sur le tapis. Allongez-vous. Pieds en tailleur, sans les croiser. Je le montre une fois le mouvement, vous le connaissez, les sit-ups. Vous allez venir vous asseoir, dos plat. Et déroulez avec nous. On y va ensemble. Une. Souffle. Souffle. Ouais. Continuez ce mouvement. Ici, vous devez donner un mouvement avec les bras si jamais c'est trop dur. Si vous vous sentez à l'aise, ne faites pas le coup de fouet et montez sans le fouet. Mais c'est un peu plus difficile. Dernière fois, les petits crunchs, vous rappelez? Lève, petit. Ouais. Très bien. 8. 6. 4. 2. Une jambe devant, tout doux. Une. Elle reste. Elle ne bouge plus. Serrez le bas du dos, serrez les fesses. Ramène. L'autre. Tends. Elle ne bouge plus. Ramène. Les deux, tout doux, tout doux. Une. Une. Souffle, souffle. Hop, hop.
Beaucoup de personnes, lorsqu'elles font cet exercice, me disent « j'ai mal en bas du dos quand je le fais ». Vous devez obligatoirement garder le ventre à l'intérieur, stabiliser à l'intérieur, garder tout dedans. Renforcer l'intérieur. Une. Bien. Les sit-ups reviennent. Pose les pieds. Lève-toi, lève-toi. Une. Allez, quatre belles. Dernière, on restera assis. Parfait, tournez-vous. Position planche sur les avant-bras. On va faire l'assis. L'assis, ça veut dire je vais vraiment sur les pointes de pied et je pars vers l'arrière. Pour l'instant, reste où tu es. Allez, on y va ensemble. Une, et je repars derrière. Hop. Dix secondes. Deux mouvements. Un seul. Posez les genoux, poussez les fesses. Loin derrière et les mains loin devant. Marquez la posture quelques secondes. Bien. Venez avec nous sur le côté, sur le profil. Un pied sur l'autre. Restez. L'étoile de mer. Prêt ? Je vous rappelle, c'est la jambe du dessus qui se lève. On marque 10 secondes. Pas plus. Go. Cinq secondes. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. On relâche. Posez. Allongez-vous. On fera l'autre côté tout à l'heure. Posez les jambes une après l'autre. Elle se tend. Stop. Ramenez. L'autre. Stop. Beaucoup de personnes croient que faire les abdos, c'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Non. En faisant ce genre d'exercice, vous travaillez également les abdos à l'intérieur. Tendez les deux. Restez. Ici, vous devez faire plaquer un peu plus le bas du dos, donc serrer un peu plus les abdominaux. On tient. Trouvez le juste milieu pour ne pas lâcher. Bien. Croisez, sans croiser, pardon. Et sit-up. Monte. Souffle ici. Ouais. Il m'en manque 4 belles sur celui-là. Parfait. Grandissez-vous un peu plus propre sur les dernières. Monte. Et une dernière, tu restes assis. Parfait. Relâchez. Mettez-vous en face. Pour faire quoi? Pour faire l'assis. Restez d'abord, marquez la posture et on commence ensemble. Une, deux. Passez bien sur l'orteil et je reviens. Sur l'orteil et je reviens tout en maintenant mon corps plat. Quatre mouvements à partir de maintenant. Et une. Deux fois. Dernière. Posez les genoux, poussez les fesses derrière. Allez, venez. L'autre bras. Reste.
Les 10 secondes, go. On tient. Cinq secondes. 4, 3, 2, 1, on pose. Lâchez. Poussez les fesses loin derrière. Et profitez-en pour vous mettre sur le dos. Allez, allongez-vous. On va alterner crunch. Et ensuite, vous allez sortir pour faire planche. On va faire crunch et on sort du tapis pour faire planche. Transition rapide. Crunch. Huit fois. 7. Prêt à rouler sur l'extérieur? Roule extérieur. Planche. Direct. Huit. 7. 6. On a 4 tours. Prêt pour la roulade? C'est parti. Hop. Hop. Huit. 4. 2. Roule. C'était la deuxième. Pom pom. 7. 6. 3. 2. 1. Crunch. On entame la troisième. 8. 8. Roule. Marquez, marquez, marquez. Marquez et restez. 7. 3. Roule. Bien. Touche, touche, touche. 8. 4 fois. Dernière planche. Marque là. Reste. Allez, allez, allez. 8. On ne roule pas, on se mettra sur les genoux. Ramenez. Soufflez. Arrondissez un peu le dos en mettant les mains par terre. Bien. Vous restez sur les genoux. Restez sur les genoux. Et vous allez fléchir, ramener, fléchir, ramener. Imaginez-vous que vous tirez un élastique de l'autre côté. Tire, tire. L'effort, faites-le ici. Faites-le ici. Hop, hop. Les toutes dernières. Très bien, relâche l'autre côté. Poum. Ici, tu tires. Tire. Ressentez le côté, les obliques. Accentue un peu, accentue. Un, too hot. Allez, 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 allez. Ouais. Très bien. Devant, doigts serrés, ça nous fait côté, côté. Mes hanches, bouge pas. Vous allez accélérer, vous allez faire de tout petits mouvements, mais les hanches, bougent pas. Préparez-vous. 15 secondes, allez. Serre les abdos, serre les abdos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relâche un petit peu sur le dos. Ma série de petits crunch. Sans la planche, sans la planche. Réconfort 2 secondes. Il nous reste 1 minute de cours. Une fois sur deux, j'expire. Niveau 2, main au-dessus. On a un medicine ball, on va le placer là-haut.
Va placer ton medicine ball. Reprends. Allez. Lève. 20 secondes. Coude. 8 mouvements, même pas. 8. Avant la fin du cours. 4 fois. Ok. Lâchez tranquillement. Lâchez les bras. Lâchez la tête. Juste 5 secondes. Soufflez un bon coup. Et maintenant, on peut passer aux étirements. Très bien, gardez les bras écartés. Fléchissez la cheville droite sur le genou gauche. Et laissez tout tomber sur le côté. Bien, profitez-en. Appréciez la musique et relâchez votre corps. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. Décroisez. When it gets hard, replacez les fesses, le dos. You know it can get hard sometimes. Et laissez tomber. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't. Faites 2-3 bascules avant de vous asseoir. Une main au sol et l'autre main arque le corps. Allez chercher bien loin sur le côté. Faites un grand mouvement latéral. Les grands mouvements. Posez les mains au sol. Arrondissez le dos. Soufflez. Bien, levez les fesses. Ramenez un pied, poussez. Enroulez les épaules. Et un seul bras qui s'ouvre loin derrière. Friez avec lui, mais gardez les hanches en face. Ici, vous forcez votre hanche à rester en face. Relâchez. Enroulez son épaule. L'autre. Ouvre d'abord, coince la hanche. On revient en face doucement, on enroule l'épaule. Et comme au départ, vous allez pousser. Gardez la pression que vous avez dans les mains pour la lever au plafond. Montez. Allez chercher bien haut, écartez les côtes, allez-y. Ouais, ouvrez largement les bras. Allez chercher le sol avec les mains si vous pouvez. Lâchez votre tête. Réfléchissez une fois les jambes, mais gardez-les fléchis, restez ici. I will remember.
Déroulez-vous vertèbre par vertèbre. Laissez la nuque en dernier la nuque, en dernier. Enroulez les épaules. Décontractez gentiment, tranquillement. Et ça marque la fin du cours. C'est bien d'avoir participé, c'est bien d'avoir regardé le cours. Mais s'il vous plaît, partagez ce cours à vos amis. Dites-leur qu'il y a un cours qui se fait sur D8 le matin. Vous allez voir, normalement, ils vont apprécier. Allez-y sur le site de D8.tv. Les outils et les informations sur la nutrition se trouvent sur mangerbouger.fr. Et vous savez maintenant, comme Fatih a fait, c'est gym@canalplus.fr. Faites comme lui, venez nous voir. On se retrouve bientôt sur D8. Continuez à faire du sport et restez forts.